J'espère Comment vous allez-vous? J'ai eu du plaisir à le peindre. Hein? Pas le. Je suis vert. Ah oui, t'es vert. T'es comme le. Hulk. Hulk. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis. Trouvez-vous qu'on fait beaucoup? Mais là, on est naturel. C'est les autres fois que nous avez vu déguisé. Oh, ta moustache. Oh, ma moustache, ta. Allez, ah voilà. Ah, ok, t'es en train de perdre sa fausse moustache. Ah, j'espère que vous allez bien. Mais oui. En premier, je veux dire bonne fête à Jacques Bergouin. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Jacques. On vous donne des bisous. Gros puis, bisous. Passez une belle journée. Bon anniversaire, dire. Donc. Oui, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Ben oui. Alors, comme ça, vous êtes confiné, il paraît? Oui. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est plate. Hein. Alors, j'espère qu'on va vous apporter un petit peu de joie dans vos journées. Ah, ouais. Et avant de commencer à répondre à toutes les questions, j'ai deux messages. Le premier, c'est ça. Et dans le cadre de la réalisation du cours, le tournage du cours spécial cadeau 50 000 abonnés que j'ai commencé à tourner, je vais avoir besoin de votre aide. J'ai besoin que vous me disiez, par exemple, si vous voulez réaliser, si vous vouliez réaliser un tableau, une peinture, mais sans avoir de modèle, d'après votre imagination, vos souvenirs, quelque chose qui vous vient à l'idée. Ça arrive des fois, ça arrive même très souvent. Et d'ailleurs, quand on avait l'atelier, ça arrivait aussi souvent, des élèves qui disaient « Moi, j'aimerais peindre ceci, cela. » Ils nous donnaient tout plein d'éléments, mais je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de photo. Est-ce que je peux l'inventer? Est-ce que je peux le créer? Ben, c'est ça que je vais faire. Je vais partir d'une idée. On va créer nous-mêmes le modèle et puis on va apprendre à faire le tableau jusqu'à la signature. Et donc, j'aimerais que dans les commentaires sous cette vidéo, vous mettiez, par exemple... Des idées. Vous disiez, par exemple, moi, j'aimerais peindre... je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi. J'aimerais voir une plage de sable blanc avec des palmiers, un petit bateau, une barque jaune, rouge, bleu. Un couple qui marche. Un couple qui se fait bronzer sur la plage. N'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Non, pas un couple. Deux trolls. Des trolls qui promènent sur la... Hop, hop. Excusez. Ça tient pas parce que c'est moustache sur moustache. Ouais, non. Sais-tu quoi? On va la coller avec ta... Bon, là, elle devrait tenir. Ah, je suis toute verte. Ouais, mais c'est parce que quand je parle, ça bouge. Ben oui. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc, vous mettez vos idées comme ça dans le commentaire sous la vidéo. Là. Et comme ça, ben moi, je vais venir prendre vos idées pour continuer mon tournage que j'ai commencé. Voilà. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, je ne m'en rappelle plus. Oui, oui. Étant donné que... Ça a l'air de crémage à gâteau. Ça veut dire qu'après les questions, tu vas me manger? Non, je t'ai dit. Bon, ça y est, elle est tombée. C'est bon, allez, ouais, on va continuer sans moustache. Oui, sans moustache. Alors, donc, la deuxième chose, c'est que j'aimerais, vu que vous allez être en confinement, vous faire plus plaisir, on aimerait... vous agrémenter un peu plus vos journées, tout mais ça. Oui, et donc, on a ramené un petit peu de joie aussi avec oui, ce qu'on c'est vit, ça. Là. Ce que j'ai eu comme l'idée de faire, c'est qu'à la fin des vidéos comme celle d'aujourd'hui, des vidéos de réponse aux questions, si vous voulez, je ferai une critique de toile, de tableau, une œuvre de vous. Un tableau que vous avez fait, si vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre et tout ça. Vous montrer un petit peu ça sur... je le ferai avec ma tablette graphique sur votre propre tableau. Et donc, si vous voulez bien, mais j'en ferai un par vidéo de réponse aux questions. Ça sera à la fin. Faut dire, chérie, il ne faudrait pas que vous nous envoyiez comme 10 photos à la même personne. Non, c'est ça. Une photo par personne. Oui, parce que 10, là... Une photo d'un tableau par personne. Alors, je vais vous mettre une adresse email sous cette vidéo dans la description en dessous. Et c'est à cette adresse que vous allez pouvoir envoyer les photos. Comme ça, ça sera vraiment une adresse email spécifique à ça. Ce n'est pas un endroit où je reçois des courriels. Je ne veux pas de message, rien. Juste la photo. Seulement c'est une bon? Photo, oui. Et comme ça, ben... À la pige, à chaque semaine. Non, à chaque on fois qu'on va une. Faire, on va faire ça. Oui, c'est ça. Je la choisirai en fonction du contenu intéressant que je pourrais donner par rapport à ça. Voilà, oui. C'est bon? Et puis aussi, on va en faire une vidéo. Vous allez adorer celle-là. Ah je oui? Je ne sais pas c'est laquelle. Ah. C'est avec... Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui!
Oh là là, ça c'est... Dans... Oh. Ils vont se régaler. Ouais. On va vous faire un petit peu d'animation comme ça. Ben oui, pour bouger un peu, là, vu qu'on ne peut pas bouger dehors. Là. OK, peut-être que... Attention pour pas qu'elle part. Là, on va commencer, chérie, parce qu'on a... Elle répond aux questions, il y en a beaucoup, 35, tu m'as dit? Non, il y a 3 pages. D'habitude, on a 2, c'est une douzaine, 15. Ben, c'est ça. Allez, on répond à vos questions. Fait qu'on commence avec Isabelle Foubert. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Ça va sur la vidéo « Astuces faciles pour harmoniser les couleurs » de vos tableaux. Oui. Bon, il y a longtemps que je voulais te demander. Quand je peins un buisson, au départ, j'ai préparé mon mélange. Oui. Okay? J'ai mis un vert émeraude, c'est pas un vert comme ça. Oui. Rompu avec un rouge moyen, un jaune cadmium. Oui, c'est bon. Si plus tard, j'ajoute une autre à ce mélange, est-ce que ça peut rendre la lecture de cet arbre incohérente au niveau des valeurs? Je pense que je perds un sourcil. Non, attendez. OK, t'es correct. Non, mais non, c'est bon parce que, bon, vous avez ce mélange de couleurs, vert émeraude, rouge, jaune, vous avez créé une couleur intéressante pour une partie de votre buisson, hein, c'est pas la totalité. Et cette couleur-là, vous pouvez la prendre pour la mettre ailleurs sur un autre arbre, mais oui, effectivement, vous pouvez rajouter d'autres teintes à l'intérieur, vous pouvez rajouter donc plus de jaune, un peu d'ocre ou autre, vous continuez à évoluer comme ça. Mais ce qu'il faut faire aussi, ce qui est bien, c'est que, admettons, vous avez mis cette autre couleur sur cet arbre-là. Vous avez une couleur sur le buisson, une autre sur l'arbre. Mais pour l'harmonie aussi, c'est bien de revenir avec quelques touches de cet arbre-là, de ces couleurs de l'arbre, en remettre quelques touches sur le buisson à nouveau, vous voyez. Et comme ça, vous allez avoir quand même un lien avec un petit peu toutes les parties du tableau, en faisant attention quand même que ce soit toujours à peu près à la même distance de nous, parce que si c'est un arbre qui est très loin, il lui faudra qu'il soit plus froid que celui qui est en avant. Mais sinon, c'est bien d'avoir... Je perds le sourcil, là, il me semble. C'est bien d'avoir des rappels de couleurs un peu partout dans le tableau, oui. Oui, puis c'est ça. Elle dit, une fois que le mélange est décidé, est-ce qu'on peut rajouter d'autres couleurs? Oui, bien oui. C'est oui. Ça. Elle aussi, elle revient sur un point important, finalement, de cette pochade que tu as fait. Ah oui, OK. À un tableau fini, il n'y a pas grand-chose. Personnellement, oui. J'adore l'aspect inachevé de la pochade, mais si tu devais pousser l'exercice un peu plus loin, qu'est-ce que ça donnerait? Bien, c'est sûr qu'une pochade, c'est un tableau, on va dire, grossier. Là. Bien, si on continue à rajouter des détails, on va diminuer, si vous voulez, chaque partie par des plus petites touches, de manière à ajouter petit à petit du détail, ça va devenir, à un moment donné, ça peut devenir très réaliste aussi. Parce que ça, c'est, la pochade, c'est un peu le départ d'une peinture réaliste. C'est un peu comme une première couche, finalement, un premier jet. Puis après, on rajoute, on peaufine, on rajoute des détails, puis ça finit. Ça finit réaliste, très réaliste. OK. On continue avec Jocelyne Beaussin. Bonjour Jocelyne. Encore aussi pour la même vidéo. Oui. J'aime beaucoup ce principe de prendre une couleur et à faire une pochade. J'ai commencé un tableau il y a 6 ou 7 ans. Je ne l'ai pas fini. C'est de l'huile avec un médium gras sur main que je fais en petite quantité. Huile de lin et essence de pétrole et 2 gouttes de cicatif. Est-ce que je peux le finir sans problème de tenue dans le temps? Oui, il n'y a pas de problème, à condition de rester toujours dans le plus gras, tout simplement. Ça fait combien de temps? 6 ou 7 ans? Ben oui. Ah non, il est complètement sec. 6 ou 7 ans, il est complètement sec. Tu sais, ça, on va dire que ça prend 1 an à peu près à sécher dans toute l'épaisseur, donc il n'y aura plus de... L'oxydation dans toute la peinture est terminée. Ça arrête là. Donc vous pouvez partir du principe que vous repartez sur, comme si c'était une toile vierge. Vous pouvez y aller, si vous voulez, rajouter la peinture plus maigre dessus, et revenir après plus gras, vous pouvez faire encore 2 couches, 3 couches, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, vraiment sec, là. Ouais. OK. Un autre Jocelyne, les 2 Jocelyne de suite, c'est Jocelyne Sorette. Bonjour, Jocelyne. Alors, bonjour, Jocelyne. Peut-on utiliser que le liquin et pas d'autres médiums pour peindre tout le temps? Ben oui, absolument. Vous pouvez tout à fait peindre au liquin de tous vos tableaux, de la première couche jusqu'à la dernière couche, il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien aussi. Le séchage, il sera rapide, hein, tout le temps. Et régulier aussi. Puis donc, vous ne peignez plus à l'huile, ça n'est plus de la peinture à l'huile, ça devient de la peinture alkyde, tout simplement. OK. On continue avec Josiane. Bonjour. Bonjour, Josiane. Excusez, j'aimerais savoir quelle couleur vous sélectionnez au départ sur ta palette. On parle, c'est tout? C'est juste ça? Oui. On parle de quel tableau à peu près? Là, je sais pas, pense que c'est là, dans le même, mais je ne suis pas sûre, parce que si je l'ai mis là, oui, probablement. Mais Bon, d'une manière générale, comment je sélectionne les couleurs sur ma palette pour un tableau? Eh bien, c'est sûr que je regarde mon sujet, ma photo, mon modèle, et
je vois les couleurs qu'il y a dessus. Souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a une dominante qui est très forte, admettons, ça va être très bleuté parce que tu sais, il y a beaucoup de ciel bleu, la mer ou autre. La dominante va être trop forte, c'est sûr qu'il va falloir que je compense avec des couleurs complémentaires. S'il y a beaucoup, beaucoup de vert, par exemple, eh bien, j'hésiterai pas à mettre beaucoup de rouge dans mes verts ou des bruns rougeâtres. Excuse, parce que tu dis mal, puis rouge. Ah oui. Donc, des bruns rougeâtres, rajouter ça dans mes verts, ça va équilibrer les couleurs. Donc, c'est sûr que quand je choisis mes couleurs sur ma palette, ça va dépendre de mon sujet, de mon tableau. Mais quand même, j'ai quand même une palette qui est, on va dire, je peux très bien avoir une palette régulière. Il va y avoir quasiment toujours les mêmes couleurs dessus. Et ça va être à moi d'aller choisir plutôt des choses plus rougeâtres, selon le cas, ou plus verdâtre ou plus bleuté. Par exemple, je donne ma palette, on va dire, de base, que j'ai quasiment tout le temps. Quand je peins dehors, elle est très réduite. Quand je peins dedans, j'en mets un peu plus, mais c'est toujours un blanc au minimum, le blanc de titane, au minimum un jaune, un rouge. Et je dirais, les couleurs de base, c'est au minimum un bleu. Après ça, je vais rajouter peut-être le vert de vert phtalo, peut-être un deuxième bleu, peut-être deuxième ou troisième jaune. Je peux très bien avoir trois jaunes. Je peux aussi introduire un deuxième rouge, je peux introduire des bruns s'il le faut. Vous voyez, ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai à faire et du sujet. Mais à la base, on est capable de faire toutes les couleurs avec les trois primaires et le blanc, ça on le sait. Donc c'est sûr que, on va dire que c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Qu'est-ce que j'ai ? C'est parce que je t'ai mal peint. Ah, tu m'as mal peint. Ah, oui. Mais est-ce que tu m'as mis des couleurs harmonieuses? Ben oui, le vert, le rouge. Oui, hein, c'est complémentaire, ben oui, ça va bien. C'est complémentaire. Je flash. OK, on continue avec Lucie Boudreau. Bonjour, bonjour Lucie. Lucie. C'est ça, elle pensait qu'on l'avait oublié. On ne t'a pas oublié, Lucie. Non, on n'a pas oublié. Parce qu'on a fallu. C'est sûr que quand j'ai beaucoup de questions, il faut que je divise. Oh mais... oui, elle en avait une trentaine, fait qu'elle dit ceux-là, on les fait aujourd'hui, les autres la semaine prochaine. OK. J'ai posé une question lors du webinaire. La voici. La ligne d'horizon est au niveau des yeux. Oui. Ça, c'est compris. Cependant, dans la vidéo, René explique les points de fuite. Quand le terrain est en pente montante. Oui, par exemple, oui. Elle n'a pas compris pourquoi les maisons avaient l'air de descendre alors que la route monte. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Si vous construisez une maison, admettons, vous faites le bas de la porte, le pied de la porte, là, vous n'allez pas le faire pencher. Sinon, on va tomber, on va glisser quand c'est mouillé. On le fait bien droit. Donc, si le palier de la porte est droit, mais que la rue monte, eh bien, on a l'impression qu'il descend. La rue monte, mais le palier est droit. C'est pour ça que ça donne cette impression-là. Et c'est toujours comme ça. Hein? Puisque la ligne d'horizon est à la hauteur de mes yeux, si moi je suis à une certaine hauteur, que la route va monter plus haut que la hauteur de mes yeux, les maisons, à un moment donné, elles vont finir dans la route, c'est sûr, à mon niveau, à moi. C'est sûr que la dernière maison, la plus haute, va être construite plus haute. Elles vont monter petit à petit, mais les lignes de fuite, dans le bas des portes, le haut des portes, le haut des fenêtres, le bas des fenêtres, toutes ces lignes qui sont dans la vraie vie de niveau, hein, c'est de niveau, c'est bien droit. Eh bien, si la ligne d'horizon, c'est-à-dire la hauteur de mes yeux est en bas, il va falloir que tout ça, ça descende. Ça va descendre jusqu'à la hauteur de mes yeux, où il y aura le point de fuite sur la ligne d'horizon. C'est forcé, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pareil, alors, contrairement à si vous avez une rue qui descend, eh bien le bas des portes, le palier va donner l'impression de monter parce que lui il va être horizontal, donc il va partir dans les airs. Et à ce moment-là, toujours pareil, le haut des fenêtres, le bas des fenêtres, le haut de la porte vont descendre, mais pas aussi bas que la rue qui va descendre plus fort. Donc il faut toujours positionner toutes les perspectives des bâtiments vers une ligne d'horizon sur laquelle on va mettre un point de fuite vers lequel va se rendre toutes les lignes de fuite. C'est une chose assez normale, c'est parce que dans la vraie vie, c'est de niveau. Par contre, la rue, elle peut monter, elle peut descendre, ça peut être une pente. Et là, il n'y a pas de perspective. C'est fini parce que c'est vraiment... c'est pas de niveau, hein, tout simplement. Alors, ça donne vraiment des impressions complètement différentes
selon que la rue descend ou la rue monte. Ok, on continue avec Jackie Bouillet. Excuse-moi. Bonjour, Jackie. Bonjour, Jackie. Elle a deux questions. La première, j'aimerais pouvoir déceler la ligne d'horizon et les points de fuite dans mes projets pour développer d'autres possibilités. Je travaille sur le corps humain et j'aimerais appliquer ma technique sur des paysages que je déformerais, tout en connaissant la perspective. Aujourd'hui, je déforme les corps et je sais pourquoi je le fais. Mais pour les paysages, rien à faire. Je me dis que déformer la nature n'est peut-être la nature n'est peut-être simplement pas dans mon esprit. Qu'en pensez-vous, grand Manitou? Oh. Oh. C'est compliqué ce qu'on va vous demander comme question parce que je la comprends pas tellement. Vous voulez déformer ou vous voulez pas déformer? J'ai l'impression que vous êtes en train de dire que vous voulez déformer la nature comme vous déformez des corps. C'est bien ça? Mm-hmm. Et à ce moment-là, vous voulez travailler sur la perspective, mais la déformer, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mm-hmm. J'aimerais pouvoir déceler la ligne d'horizon et les points de fuite dans mes projets pour développer d'autres possibilités. Partie du principe que la ligne d'horizon, c'est la hauteur de vos yeux. C'est une ligne d'horizon. Et les points de fuite vont se trouver toujours sur la ligne d'horizon, peu importe d'où ils viennent. Et les lignes de fuite, eh bien, ce sont des lignes qui partent de vos éléments en perspective, qui s'en vont vers le point de fuite pour représenter l'effet trois dimensions et la perspective. Ça, c'est une base. Ça s'applique à des maisons, à des granges, tout ça. Maintenant, pour ce qui est du corps humain, oui, il y a une perspective aussi, mais elle est beaucoup plus complexe. Il faudrait dessiner une tête dans un cube, dans un carré, le mettre en perspective et après mettre le visage à l'intérieur, etc. Tout se fait en perspective. D'ailleurs, j'en ai vu là des canons de figures humaines en 3D où on voit vraiment comme une cage carrée, quadrillée, à l'intérieur de laquelle il y a des points et puis on fait circuler les lignes qui vont faire le visage. Tu sais, c'est, l'expliquer comme ça, c'est pas évident, mais oui, ça se fait. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai pas tellement compris l'histoire de déformer. Je me dis que déformer la nature n'est peut-être pas simplement dans mon esprit. Je ne sais pas, je n'ai pas tellement compris. Non, aujourd'hui, je déforme les corps et je sais pourquoi je le fais. Est-ce que c'est volontaire ou non? Ça, je ne le sais pas. Pour les paysages, rien à faire. Ok, je n'ai pas tellement compris. Mais probablement, pour les paysages, rien. Je me dis que déformer la nature n'est peut-être simplement pas dans mon esprit. Ça veut dire qu'elle voudrait peut-être le déformer. Puis, oui, j'ai un petit peu du mal à comprendre, Peut-être, excuse-moi, Jackie, si tu pourrais préciser la question. La réponse. Oui, non, pas la question. Préciser la question pour qu'on ait une réponse plus précise. C'est ça. Oui, voilà. OK. La deuxième, ce n'est pas une question, c'est un avis qu'elle donnait sur le sel et l'acrylique qu'on a parlé. Ah oui, tu oui. Tu te rappelles? Oui, l'eau salée, l'eau et le sel dans l'acrylique, oui. Oui, oui. Elle a dit, attention avec le sel et l'acrylique. J'ai exposé un tableau que j'avais peint avec cette technique. Je l'ai exposé à l'extérieur sous tente lors de marché de Noël. Il neigeait, il faisait froid. L'atmosphère était humide. Le sel s'est humidifié pendant la journée. Au retour, la toile a séché et elle a craquelé. Mes autres toiles exposées peintes à l'acrylique seule n'ont pas bougé. J'ai dû gratter et retoucher ma toile. Donc, attention avec le sel. Ouais. Cependant, cela fonctionne très bien à l'aquarelle. Le sel, n'oubliez pas une chose, c'est que le sel, c'est un élément qui va conserver l'humidité très longtemps aussi. Hein. Mmh. C'est sûr que la peinture acrylique, c'est de la matière plastique, c'est du polymère. Mm-hmm. Peut-être que le fait d'ajouter du sel, ça transforme complètement le polymère, je ne sais pas, ou bien ça vient justement conserver de l'humidité, puis ça peut certainement, oui, avoir un effet sur le résultat, sur la conservation de la toile. Je ne sais pas, mais c'est sûr que s'il y a eu un dégât, c'est qu'effectivement, le sel a généré ce problème parce que l'acrylique, ça ne bouge pas. C'est ça. On continue avec Micheline Robert. Bonjour, Micheline. Bonjour, Micheline. Peut-on faire un fond de glacis jusqu'à l'obtention de la teinte voulue et de faire le sujet principal régulier, donc à l'huile et le liquin? Ou je dois faire au glacis au complet? Non, tout est possible. Bien sûr, vous pouvez faire... admettons, vous faites votre tableau avec le fond, l'arrière-plan, c'est ça, l'arrière-plan, tout au glacis. Mm-hmm. Vous allez avoir un certain rendu, plus velouté, plus profond. Et si vous faites ensuite de ça votre sujet avec la méthode traditionnelle, là, peut-être à la prima ou en 2-3 couches simplement en opacité, donc là, l'inverse du glacis, c'est en opacité, à ce moment-là, ben, il va peut-être ressortir plus,
T'es plus fort en avant, plus il va se découper. Vous allez avoir deux styles différents sur le tableau. Ça va faire que il va y avoir un découpage entre le sujet et le fond. Et ça va forcément, oui, effectivement, donner un effet spécial au tableau. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais pourquoi pas, bonne idée. Oui. Allez-y, faites-le, puis montrez-nous-le. C'est ça. On continue avec JB. Bonjour, JB. Bonjour, JB. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Je ne sais pas. Oui. OK, on a deux questions. Premièrement, il ou elle, excusez, que pensez-vous de la qualité de l'huile PBO? Y a-t-il une grande différence avec d'autres gammes comme la Rembrandt? Ben oui, en fait, par rapport à la Rembrandt, oui, parce que la Rembrandt, c'est une peinture extra fine, alors que la PBO, nous avons la PBO, je pense que c'est Studio, pour les... je ne sais pas si c'est Studio, c'est à... On est à l'huile ou à l'huile, hein? À PBO. PBO, Studio, c'est en acrylique, je pense, et l'huile, je ne sais plus, en tout cas. Bon, je sais qu'il y a la PBO pour la gamme étude, qui correspond un petit peu à la qualité de la Winton chez Winsor & Newton. Et plutôt, ça serait comme plus chez Talents à la Van Gogh. Oui, c'est ça, Van Gogh. Van Gogh, et, non, attendez. On a trois peintures. On a la Rembrandt, la Van Gogh, et là... Mon Dieu, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Chez Royal Talents, à l'huile, on a trois gammes, il me semble. En tout cas, bon, ça m'est sorti de la tête. Il y a quelqu'un qui va le dire. Ouais. Donc, voilà. Donc, on est dans la gamme étude. Mais il y a une peinture PBO extra, je pense. Elle est fine. C'est une fine qui va être de meilleure qualité que la PBO gamme étude. Donc, vous voyez, on parle de gamme et non pas vraiment de marque. Mais la PBO, elle est très, très bonne, comme la Winton de Winsor & Newton. C'est des bonnes peintures. C'est sûr que dès qu'on s'en va dans les extra fines, comme la Rembrandt, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus fluide. Vous avez plus d'huile dans la peinture. Et elle va être finalement plus économique dans le sens où on va en utiliser beaucoup moins parce qu'elle est plus colorée. Beaucoup plus colorée. Et vous allez avoir des tableaux qui vont être avec des couleurs plus vives, plus riches. On va retrouver une qualité différente sur le résultat sur la toile. Oui, ça, c'est sûr. Mais je conseille toujours aux débutants de ne pas s'en aller vers ces marques-là parce que elles sont chères, c'est quand même des peintures très chères et ça peut paraître, tu sais, ça peut faire peur, dire ah ben là j'en mets pas beaucoup parce que j'ai peur de la gaspiller, j'en mets pas beaucoup sur ma palette, juste un tout petit peu et tout. Puis on travaille mal parce qu'on n'est pas à l'aise avec notre matériel. Donc vaut mieux travailler pendant des années avec de la PBO, de la Winton ou autre, puis prendre l'habitude et à un moment donné, ça y est, là je sais peindre, je suis bon dans mes mélanges de couleurs, je ne gaspille plus, tu sais, je peins plus vite et tout ça. Alors là, je m'en vais maintenant dans des gammes de peinture extra fine qui coûtent plus cher, mais que je ne gaspillerai pas. Et au moment où vous faites la transition, le changement, là, vous pouvez très bien mélanger vos tubes, continuer avec vos anciens tubes, et petit à petit, vous dites, ah ben là, j'ai plus de blanc, je vais racheter, bon, ben à ce moment-là, j'achète le blanc dans la Rembrandt, puis vous le mélangez avec vos PBO ou autre, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien quand même. OK, sa deuxième question, est-ce que vous avez prévu de faire une vidéo qui parlerait de comment rendre les avant-plans? Parce que c'est parfois difficile de composer ce qui est à l'avant et le passage. La frontière. OK, de la frontière entre l'arrière-plan, très lointain, et l'avant-plan est parfois complexe. Non, mais je n'avais pas prévu ça, mais non. C'est sûr qu'à chaque fois que... Non, mais à chaque fois que je fais des tableaux, des peintures... comme dans la formation, au moins dans tous les paysages, il y a différents plans. Et effectivement, l'avant-plan est important parce que c'est lui qui va donner l'effet de profondeur. Mais ça n'est pas le sujet du tableau. La plupart du temps, l'avant-plan, il peut être fait flou. Là. Il n'y a pas besoin de le faire ressortir, de le marquer de façon importante parce qu'il est juste là pour donner de la profondeur, pour nous amener plus loin dans le tableau. Donc, il va nous faire rentrer et là, on va arriver au sujet principal. Puis après, il y a les autres plans qui vont aussi continuer à donner de la profondeur. Moi, je vous dirais, dans un tableau, normalement, dans un paysage, il faut avoir au minimum 5 distances différentes, 5 plans différents pour avoir une belle profondeur. Et l'avant-plan, effectivement, donc, on pourrait en parler, ça pourrait un jour faire un cours, là, mais comme je dis, j'en parle dans tous les tableaux quasiment à chaque fois parce qu'il est toujours là. Oui. Ou presque. Ça peut arriver des fois qu'il n'y ait pas vraiment d'avant-plan. Ou bien l'avant-plan, ben, il est déjà un petit peu plus loin. Mais c'est un petit peu moins intéressant dans le tableau à ce moment-là. Des fois, il n'y en a pas sur notre modèle, sur la photo. Puis, il vaut mieux l'inventer, le créer, rajouter quelque chose en avant.
OK. Dans la vidéo astuce améliorer vos paysages, j'ai pas noté le nom de la personne. Je m'excuse probablement en tapant, là. Mais on va quand même poser sa question. Vous parlez de teintes chaudes et froides pour les objets lointains. Oui. J'ai de la difficulté à différencier les teintes chaudes des teintes froides, surtout dans les couleurs bleues et vertes. Y a-t-il un truc? Ben, le truc, c'est que lorsque vous avez, admettons, un vert, vous avez un vert. Vous savez que le vert, c'est une couleur froide. Les couleurs froides, c'est vert, bleu, violet. Les chaudes, c'est jaune, orange, rouge. Bon, ben, vous avez un vert. Vous ne pouvez pas dire ce vert, il est chaud ou ce vert, il est froid. Parce que c'est toujours relatif. Il faut le comparer à un autre vert. Si vous avez deux verts, trois verts, et entre les deux ou trois, vous allez dire, bon, ben, celui-là est plus chaud, celui-là est plus froid, et puis voilà. Parce que vous allez toujours les comparer les uns aux autres. Celui, le vert, ou le bleu, ou le violet, qui va s'en aller plus vers l'orangé, il sera plus chaud que celui qui s'en va plus vers le bleu. Hein, puisque la couleur chaude, c'est l'orange, la couleur froide, c'est le bleu. Toutes les couleurs. Un rouge, vous allez avoir un rouge qui est une couleur chaude, mais vous avez des rouges plus chauds et des rouges plus froids. Donc, ne cherchez pas cette couleur, est-ce qu'elle est chaude ou est-ce qu'elle est froide? Est-ce que ce vert, il est chaud ou froid? Il est vert, c'est froid. Maintenant, c'est entre deux verts que vous allez pouvoir chercher et comparer. On ne parle que ici de, on va dire, de comparaison, de relation. C'est une relation entre deux couleurs qui va vous permettre de définir si c'est plus chaud ou plus froid. Et puis moi, tu sais, une idée que j'aime tellement aussi, j'avais de la difficulté avec les teintes chaudes ou froides, mais quand tu dis chaud, je dis le soleil. On pense au soleil, c'est ça? On pense à l'été. Oui. C'est vrai. Puis le froid, mais on pense à l'hiver. C'est vrai, oui. C'est vrai, hein? Mm-hmm. OK, on continue avec Christelle Tonneau. Bonjour, Christelle. Bonjour, Christelle. Dans votre vidéo de comment améliorer vos paysages, vous parlez du format de la toile et ma question serait de savoir... Quand on prend une toile spéciale, comment faire le quadrillage d'un format A4, par exemple, et de le transformer en panoramique, toile qui sera beaucoup plus large et moins haute? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la diagonale d'un angle ou l'autre du tableau sans s'occuper des proportions? Pour le moment, je n'arrive pas à dessiner sans quadrillage. Oui, d'un angle à l'autre, oui. Non, ouais. Alors voilà. Si vous retournez, je pense que la vidéo sur la mise au carreau est liée dans la playlist de la chaîne YouTube. Ouais. Si vous allez sur la vidéo et que vous regardez comment faire une mise au carreau, au début, avant de faire la mise au carreau, on va parler justement des ratios. La longueur versus la largeur de la photo et du tableau. Si le ratio n'est pas le même sur le tableau et sur la photo, on va commencer par mettre le même ratio. Donc, vous ne pouvez pas faire transformer une photo... rectangulaire, 9 par 6, là, comme on a d'habitude, en quelque chose de très panoramique, sans la déformer. Fait que si vous avez, je sais pas moi, vous avez un phare sur le bord de la mer, il va se retrouver en maison allongée, une grange, si vous faites ça. Donc, il va falloir forcément d'abord mettre le même ratio à la photo et à la toile. Et il va falloir, si vous faites un panoramique à partir d'une photo carrée, bien, il va falloir couper la photo en haut et en bas pour se retrouver avec un panoramique ou bien inventer du paysage à droite à gauche. Une fois que votre modèle a le même ratio que le tableau, là, vous pouvez partir faire votre quadrillage, la mise au carreau. Si vous avez une toile très allongée et une photo qui ne l'est pas, eh bien, il va falloir mettre la photo, la couper en haut ou en bas ou les deux pour qu'elle ait le même format que la toile. Et une fois qu'elle a le même format que la toile, vous partez avec la mise au carreau sur la photo et sur la toile. Tant que ce n'est pas au même ratio, on ne peut pas faire le quadrillage sans risquer de déformer. On continue avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Je n'ai pas trouvé dans la formation le fameux pont où je peux apprendre la perspective sur le motif. Je n'ai pas vu le module peindre sur le motif. Oui, c'est peindre en plein air. Alors, le module peindre en plein air, il se trouve dans les pas à pas. On va dans les pas à pas, peindre en plein air, c'est puis Brigitte, on se retrouve. Voilà. Oui, et là, vous allez trouver, c'est... Le pont couvert, il va être là, oui. Donc, dans les pas à pas. Les pas à pas. Oui, c'est ça. Même ceux qui achètent juste le cours de peinture en plein air, ils se trouvent dans un module, les pas à pas. Parce que si vous achetez le cours de peinture en plein air et que vous achetez aussi, je ne sais pas moi, le cours de peindre à la manière des grands maîtres, eh bien, vous allez avoir tout ça. Ce sont deux modules, deux sous-modules dans le module les pas à pas, puisque ce sont des formations qui sont extraites de la peinture, c'est facile. Et la structure des chapitres et des modules reste la même. OK, on continue avec Francine Guillonnet. Bonjour Francine. Bonjour Francine.
Avez-vous déjà fait des tableaux au format rond? Si oui, quel genre? Pas encore. Non, c'est vrai, je n'ai jamais vu un peintre. Non, c'est déjà arrivé que... Il tourne en rond, mais il ne fait pas des... Ou que je peins pendant que je suis rond, mais... mais pas l'inverse. Non, je n'ai jamais fait de tableau rond ou ovale. Il existe aussi des toiles ovales. Oui, c'est vrai, non. C'est assez rare. Hein. J'ai vu, quand je regardais, chercher des images de tableaux de Claude Monet sur Internet, hein, un moment, j'en ai vu un qui est rond. Mais on n'en voit pas beaucoup, hein. C'est vraiment très rare. Ouais. Donc, on continue encore avec Jocelyne Sorel, puis c'est sa deuxième question que je viens juste de voir. OK, bon, rebonjour Jocelyne. Rebonjour Jocelyne. Lorsque vous utilisez la détrempe avant de faire un glacis, comme vos tableaux de rose, vous réalisez à l'acrylique ou à l'huile avant de faire votre glacis à l'huile? Ah non, je fais à l'huile. Oui, on pourrait faire la détrempe à l'acrylique aussi. On pourrait très bien. Mais non, moi je la fais à l'huile, oui. C'est parce que je peins à l'huile dessus, je vais à l'huile. Si je fais des glacis à l'acrylique, je peins à l'acrylique. Je préfère garder le même médium pour le fond, pour la détrempe et le glacis, pour avoir une certitude d'abord que bon, il n'y aura pas de problème dans le temps au niveau de la conservation de la toile. Mais aussi, tu sais, la peinture à l'huile, ça glisse mieux, hein, je veux pas. Par rapport au fait qu'on va venir mettre les glacis, quand on a déjà fait une couche à l'huile, ben ça glisse mieux. On reste dans le même... la sensation de travailler dans le même médium, c'est ça. Mmh. Oui. C'est-tu nos roses, les roses que tu me fais, là, les mauves? Je ne sais pas, hein? Pourquoi? On parle de quoi? De quel tableau? Ben c'est ça, vos roses, vos tableaux de roses. Ah, ben vous, Anne, ça doit être plusieurs, là. J'ai fait... c'est sur le tableau. Les roses que tu me fais, les mauves. J'en ai fait d'autres. Mais oui, tu as fait Ah non, les roses dans la formation, il y a la rose, oui, le gros tableau de la rose, oui. On en fait tellement de peintures, maintenant on ne se rappelle pas. On a les roses mauves dans la chambre qui sont trois roses, là, mauves. Mais la rose rouge en acrylique, la rose orange, couleur pêche un petit peu en peinture à l'huile, c'est dans la formation. Mais l'histoire de nos roses mauves, là, c'est que René avait acheté trois roses, non, même plus que... Oh, j'avais acheté plusieurs roses mauves, je les avais commandées. Ils avaient même commandé, oui. Chez le fleuriste. On a fait un montage sur le bureau dans notre chambre. Il a fait plein de photos. Oui. Puis après, ils ont été dans la poubelle. Oui, bien... ben, ils avaient tout, hein? Je les avais coupés, fait tenir du scotch, des broches. Un conseil pour les messieurs qui peignent. Si vous voulez offrir des roses à votre femme, fait que prenez un beau bouquet... Vous faites la peinture, puis après vous les donnez, ça fait deux pour un. Elle dit ça parce que c'est ça que je fais. Mais c'est ça qu'il fait. J'offre des fleurs pour faire des tableaux. C'est vrai, c'est plus longtemps là, que tu m'en as pas offert. Quand est-ce les prochaines fleurs? Ouais, attends un petit peu. À Saint-Valentin? Ah, c'est loin. OK, on continue avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Pourriez-vous nous faire une petite démonstration pour utiliser le pastel dans votre belle forêt? Ça, elle a dit ça quand on s'est promené. Ah, oui. OK. Une démonstration là-dessus, ça serait démonstration pas mal. Moi, je vous dirais franchement, du pastel, bon, j'en ai fait dans la formation en ligne. Il y a les bases du pastel sec, on reste dans les bases, avec quelques exercices, mais ça n'est pas mon médium de prédilection. Ce n'est pas là-dessus que j'ai fait ma carrière d'artiste ou que je suis le plus fort. J'aime bien en faire, mais je dirais que je n'ai pas la pratique qu'ont les pastellistes et que vous allez peut-être trouver ça avec plus de, on va dire, de conviction chez les gens qui auront mis ça peut-être sur YouTube. Je n'en ai pas cherché non plus, je n'en ai pas regardé, mais je suis pas mal certain qu'il doit y avoir des spécialistes là-dedans. Ah oui, il y en a beaucoup. Donc, on finit avec Claire Leroux. Bonjour Claire. La question, vous avez parlé de glacis sur fond blanc. Je croyais que le glacis se faisait sur un dessin au fusain avec les valeurs. Ce qui fait un fond blanc que sur le blanc? Comprends-tu? Oui, bon, attends. Bon, admettons, voilà, c'est ça. On fait un dessin avec nos valeurs au fusain, puis après, avant de faire du glacis, non, on n'y va pas directement au glacis, on peut... Oui, c'est vrai qu'il y a eu, effectivement, quand on a fait, par exemple, le tableau de... le portrait en 5 étapes dans la formation, je fais un dessin au fusain. Avec ombre et lumière, je mets du fixatif. Puis là, je commence déjà avec un glacis, effectivement, avec de la terre d'ombre brûlée et du liquin
puis je mets juste les foncés, je retire la peinture pour faire venir les blancs, je mets, tu sais, on remet du foncé, tout ça. Puis là, je me fais comme une base en monochrome, ce que j'appelle un camailleux, avant de revenir après mettre des glacis colorés là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est une méthode, effectivement, comme ça. Lorsqu'on fait des glacis, c'est pour colorer quelque chose, ok? Colorer ce qui est en dessous. Et on colore petit à petit, couche après couche, on amène la couleur de manière à ce qu'elle soit comme on la souhaite, et on peut obtenir donc des couleurs très vives. Alors là, c'est là où je reviens parler sur le blanc. Supposons que dans votre tableau, à un moment donné, vous ayez besoin de faire un rose vif. Tu sais, je ne sais pas moi, mettons, c'est une fleur là, justement, une rose avec un rose très très vif. Lorsqu'on travaille en opacité, on mélange le rouge et le blanc, puis nos roses, ils deviennent grisâtres. C'est toujours comme ça que ça arrive. Donc, pour avoir le rose vif, eh bien, on met du blanc sur notre tableau, là où on souhaite avoir du rose vif, juste à cet endroit-là. Du blanc en opacité, on laisse sécher, puis après, on va appliquer des couches de glacis rouge. Pardon. Et ces couches de glacis rouge vont laisser transparaître donc, le blanc à travers, et ça va l'illuminer, ce rouge. Et il va devenir vraiment très vif, et d'un rose très vif, sans que le blanc soit mélangé chimiquement, là, physiquement et chimiquement dans la pâte. C'est un mélange visuel par transparence. Et là, c'est comme ça que vous allez obtenir vos couleurs les plus vives. Les roses, les mauves, et même certains oranges aussi, que vous ne pouvez pas faire autrement que comme ça, pour avoir quelque chose de très, très éclatant. Voilà. Et donc là, c'est l'utilité de faire du glacis sur du blanc. On a fini. Tu crois que je la regarde là? Tu veux que je reste comme ça? Non. Tu me préfères comme ça? Non. Tu crois qu'il te manque quelque chose? Quoi? T'as l'air de gars là qu'il a été ici pour mettre un masque facial là avec des cocombes là ici. Ah oui. Oh mais. Ah je la regarde là puis oh. Tu vas me manger pour de bon là. Ils disent que c'est pour le meilleur et pour le pire qu'on est ensemble. Oh c'est que oui. Ça, c'est pas mal le pire. Hein? Je suis bête. Mais j'espère qu'on vous a diverti un peu. Juste un petit rappel, n'oubliez pas, dans la description, sous la vidéo, je vais mettre une adresse email. J'ai dû la mettre. Hein? Si je ne l'ai pas mise, rappelez-moi-le, pour que vous envoyiez les photos dessus, pour qu'après ça, bon, ben, à chaque vidéo qu'on va faire comme ça, on va pouvoir faire, je vous faire une petite correction, critique, une critique constructive d'une œuvre par vidéo. Et ça sera super intéressant, ça sera à la fin des questions, tout ça. Et donc, n'oubliez pas aussi de me dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme tableau qui vous sort de l'imagination. Ben oui, quels ben sont oui. les éléments? Voilà exactement une liste des éléments que vous aimeriez avoir sur une toile. Et là, on va prendre en note. ça va plus t'aider aussi pour ça. C'est là, je vais en choisir une idée ou peut-être un mélange de plusieurs pour réaliser donc ce fameux tableau qui sera votre cadeau pour les 50 000 abonnés. Mm-hmm. J'ai commencé à tourner ça. Alors, comme on tourne et après c'est monté professionnellement par un professionnel du montage vidéo, on a 4 semaines d'écart. Donc, ce que j'ai tourné cette semaine, ça va sortir, ça va commencer dans 4 semaines. On va finir ça, on aura 100 000 abonnés. Il va falloir que tu refais un autre. Là. Non, ça ne monte pas quand même pas si vite que ça, mais bon. Mais oui. Grâce à vous, hein, merci beaucoup. Oui, merci oui. Continuez à partager, liker. Oui. Ça nous encourage aussi à continuer, mais c'est pour vous. Là. Ben hein? Oui, c'est ça. Il faut. On est là pour vous faire plaisir. Oui, avec tes cheveux. C'est pas les miens, je m'en fous. Donc, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Bon Halloween. Puis encore bonne Halloween. Fête à Stinkidon. Mangez pas trop de bonbons. Non. C'est la fête à qui? Jacques, excuse-moi. C'est ça. Ben oui, Jacques. Excuse-moi, Jacques. Joyeux anniversaire, Jacques. Ben oui, Jacques Bergoudi. Joyeux anniversaire. Merci. À bientôt. Bye-bye.